Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le chasseur de rêve et son écuyer et ami, Sancho. Le chasseur n'est pas très malin, mais il est très courageux. Et il peut voyager partout, même dans les livres. Du coup, il rencontre Pinocchio, Jonas, le baron de Munchausen, Zen, il combat une baleine blanche, il combat une pieuvre, et même des nuages en forme de dragon. Mais vu qu'il est pas malin, heureusement que Sancho est là pour le tirer des mauvais pas. Et heureusement qu'il est là aussi pour s'occuper de la maison et des tisanes. Bonne nuit, Sancho. Je vais au lit. Bonne nuit. J'ai cru qu'il n'allait jamais se coucher. Ça fait une heure que je dépoussière le même bibelot alors que j'ai du boulot. Mais qu'est-ce que tu filmes? Mais arrête, c'est pas maintenant. Salut la compagnie. Enfin. À table. Alors cette pâte, elle guérit bien? Sancho, je n'arrive pas à dormir. Le chasseur de rêves, une BD de Martin Desbats aux éditions Sarbacane. Je sais ce qu'on mange ce soir, j'ai attrapé un preneur de sang. Bon bah, je vais commencer par l'aile ou la cuisse. Le chasseur de rêves, une BD de Martin Desbats aux éditions Sarbacane.